Merci beaucoup. Il y a un moment, quand tu étais très très malade, ton docteur t'a donné un an sans rapport sexuel. Tu as respecté? Bien sûr. Tu as respecté. Dieu merci. Aujourd'hui, tu apprécies le roi 12-12. Tu l'apprécies physiquement pour te marier avec lui ou tu l'apprécies à cause de ton argent? Il n'y a pas Bible, hein? Mais regarde ton église et puis dis-nous la vérité. Pourquoi tu l'apprécies? Si c'est à cause de son physique. C'est un enfant de Dieu. Je l'apprécie parce que c'est un enfant de Dieu ici. Je l'apprécie comme toi, comme j'apprécie Eva, comme j'apprécie mon frère qui est là. Parlant d'appréciation, voilà. Tu connais pas mal d'artistes, pas mal d'hommes publics en Côte d'Ivoire ici. Tu n'insistes pas comme tu insistes sur le roi 12-12, à tel point tu cherches son numéro. Faut nous dire. Si tu veux son numéro pour aller lui demander de l'argent, il n'y a pas de problème. Si tu veux son numéro pour lui demander un mariage aussi, il n'y a pas de problème. Tu nous dis. Comme je l'ai dit tantôt, celui que je vais marier, là, il doit avoir la crainte de Dieu. S'il a la crainte de Dieu, que c'est lui que Dieu veut que je marie, je vais le marier. Mais pourquoi toi, tu vas chercher loin, loin là-bas? Non, aïe, l'amour qu'elle a là, l'amour n'a pas de frontières. Peut-être que je peux trouver ici, ça peut être un blanc, ça peut être un américain, ça peut être un ivoirien, qu'est-ce que j'en sais? Celui qui va me faire la proposition me dit, Manu, je veux te marier. Je veux... Si ça va dans mes convictions, on y va. Non, en ce moment, tu n'as personne dans ta vie. J'ai personne. Depuis combien d'années? J'ai des, comme je dis, j'ai des prétendants. Mais toi, à l'église, là, t'as quel temps pour que les gens te draguent? Ce qui est sur les réseaux, là, c'est fait pour ça. Hein. On cause, on parle. Ah, on te drague sur les réseaux sociaux? Non, quand je dis sur les réseaux, on cause. Attends, je parle avec des personnes ou pas? Je parle pas avec des animaux. Je parle avec des personnes, j'échange avec des personnes. D'accord. Même des personnes qui sont des chrétiens, qui ont des ministères aussi, on discute. On sait jamais, on peut accrocher. Okay, tu es actrice, tu es chanteuse, tu es comédienne. Tu fabriques bijoux, tout ça là, tu as essayé pour de l'argent, plus ou moins. Peut-être ça n'a pas trop donné. Maintenant, tu es à l'église. Tu es sûr que ce n'est pas à cause des dîmes hein, qu'est-ce qu'on donne à l'église là, tu es là-bas? Anaconda. Oui, ma grande. Bien aimée. Ça n'a rien à voir. Ça n'a même rien à voir. Tu comprends un peu? Moi, je fais, comme je l'ai dit, là, l'appel que j'ai reçu, je l'ai refusé maintes fois. Mais si. L'esprit insiste que je fasse son travail. Je vais faire le travail de Dieu. Mais ça ne m'empêche pas de faire mon travail que j'aime. Aujourd'hui, dans ces numéros depuis polémique, là, tu peux nous garantir, nous rassurer que tu ne vas plus jamais replonger dans vie SOS là. Garantie, c'est-à-dire. Mais Dieu me bénit. Je veux dire, quand tu donnes ta vie entièrement à Dieu, là, il t'ouvre les portes. Mais il n'y aura plus de SOS dans ta vie. C'est fini. Je prie qu'il n'y ait plus de SOS. Et je pense que toutes les choses sont en train de se tasser. Tout est en train de se mettre en place. D'accord. Voilà. Je reçois la bénédiction de Dieu chaque jour. J'arrive à manger, j'arrive à vaquer à mes occupations, j'arrive à m'occuper de ma famille. Je lui rends toujours gloire, toujours gloire. Le nom de ton ministère, c'est quoi? Église glorieuse, là. Pourquoi tu veux savoir même? Tu veux aller à mon église? Je ne suis pas seul ici. Le nom de ton ministère, il ne faut pas inventer ministère. Est-ce que tu veux aller à mon église? Il ne faut pas inventer ministère. Le nom de ton ministère, là où tu vas faire tes meilleurs, tu vas prier, tes fidèles sont là. Le nom, c'est quoi? Église glorieuse, la prospérité divine. Tu veux aller à mon église? Voilà, c'est tout. Je t'attends là-bas. Savoir. Tu as compris? J'ai dit, j'ai un message pour toi. Si tu veux, je le fais maintenant, mais je le fais après. Après, tu as eu la bénédiction de Marcos ou mais Marc Zopo? J'ai pas besoin de la bénédiction, j'ai la bénédiction du haut. Aïe, et là, tu n'as pas. C'était dévancier. J'ai besoin de la bénédiction du haut. Mais c'était dévancier. Si Dieu m'a béni, et puis moi, j'ai mes pères spirituels, là, ça me suffit. J'ai pas besoin d'autres bénédictions. Je suis suivie déjà par mes papas. Merci. Merci en tout cas.